These days, more and more people want to learn to fly. C'est un beau rêve, l'aviation, mais ça demeure encore une machine avec un moteur. C'est quand on entend le buzzer, là, on tire promptement. In order to achieve this, they must undergo rigorous training conducted by a flight instructor. La personne qui vient piloter met littéralement sa vie entre vos mains. 3, 4, 5. Every day, flight instructors risk their lives to train tomorrow's pilots. Ça a été une situation catastrophique, on a frôlé la mort. Since the dawn of time, man has sought to conquer the sky. Today, this dream can become reality, but the way there is long and sometimes turbulent. The rules that govern the world of aviation are very strict. Not everyone can succeed in becoming a pilot. Future aviators must take a flight training course to become a pilot. An instructor whose job is to teach them to fly safely will guide them through the course. Je commençais à piloter, j'étais vraiment jeune, j'avais environ de 7-8 ans. C'est sûr que je n'étais pas maître de l'appareil. Mon père est pilote, fait qu'il m'a laissé quand même jouer avec les commandes quand j'étais jeune. C'est là que j'ai poigné la piqûre, si on peut dire. Gigi Shamba has been a flight instructor in Mascouche for over 5 years. He spends his days passing the controls of his airplane to people who don't know how to fly. Je vais aller faire des exercices décollage et atterrissage terrain court avec mon étudiant Jason. Un décollage ou un atterrissage terrain court fait ici à Mascouche, c'est pas aussi réaliste parce qu'on a 3000 pieds de piste. C'est en béton, il n'y a pas d'obstacle du bout de la piste. On va aller se mettre dans un plan vraiment réaliste avec les arbres d'un autre bout de la piste. Et puis, mettons que ça demande un peu plus d'agilité au niveau des commandes. OK, être beaucoup plus précis avec la vitesse, avec l'angle d'approche. Et c'est comme ça que je préfère donner de l'instruction. 50, on va tirer juste un tout petit peu. Training students how to react in the event of problems and how to deal with unexpected situations is at the heart of his work. For future pilots, this training can make the difference between life and death. L'atterrissage là-bas sera un peu spécial parce que la piste n'est pas en asphalte. C'est en gazon, un peu de gravier. Ça fait que ça demande une autre technique aussi, terrain mou à l'atterrissage, pour ne pas imposer un choc sévère au niveau du train d'atterrissage et puis pour ne pas occasionner un capotage de l'avion. This morning, Gigi will show Jason how to make a landing in the bush. But first, they will practice a tailspin, one of the most dangerous maneuvers for a pilot. OK, 5400 pieds. La formation d'un pilote privé va être en fait que des procédures d'urgence. C'est carrément des simulations, des simulations, des simulations de situations d'urgence. Comment réagir face à ça? Alors, on va ralentir l'avion. OK. C'était bien, c'était bien attaché? Oui. OK. Donc, on va tranquillement l'amener. On ne force rien pour l'abri. On ne force absolument rien. L'aviation est très exigeante. Quand on fait une manœuvre, par exemple, il y a une certaine séquence à suivre. Il y a une certaine logique. On doit faire les choses dans un ordre précis. Et c'est ce que nous apprenons à nos étudiants. On les apprend la base pour être sécuritaire et un peu au-delà de la base pour qu'ils aient un peu l'esprit plus large dans ce qui se passe dans le monde de l'aviation. When an aircraft loses too much speed, the wings will no longer keep it in flight. Et on est parti en vrille. The nose of the aircraft will drop. And it descends into a spiral fall. La personne qui vient piloter met littéralement sa vie entre vos mains. Et voilà, on est ressorti. C'était assez soft. La vrille, oh, c'est pas la fin du monde là. L'avion se met en vrille et puis la tête. Ouais, non, c'est bien. Ma job, c'est d'apprendre à cette personne à côté de moi comment piloter un avion en toute sécurité. Je veux qu'il fasse des erreurs quand je suis à bord et on corrige ses erreurs. Alors, la différence entre la vrille et l'aspirate? On n'avait pas encore décroché assez, peut-être? Non. On était bien trop lentement. OK. Mais par contre, on est resté en décrochage tout lent, mais c'était une grosse spirale, par exemple. Ouais. OK, on va faire une bonne vrille, là. On va mettre un petit coup de palier juste un peu avant. OK.
il faut qu'il se rende compte de son erreur. Donc, je ne peux pas corriger l'erreur tout de suite. Il faut qu'il s'en rende compte. Et c'est là que ça devient de fois un peu stressant. Jusqu'où est-ce que je le laisse partir dans son erreur? C'est où que j'interviens? Guigui Shamba does not hesitate to push his students to their limits. C'est un peu cette philosophie qui fait que mes étudiants des fois m'appellent l'instructeur cowboy un peu. Je les laisse un peu de marge d'erreur. Je les laisse vraiment commettre les erreurs et très souvent, la bonne chose, ils s'en aperçoivent. Juste à la dernière minute, ah, j'aurais pas dû faire ça. Bon, voilà, t'as compris. But when a plane loses lift and falls into a spin, every second counts. If the pilot cannot regain control, the plane will crash. J'ai déjà eu un étudiant lors d'une vrille. L'avion part en vrille, l'avion s'est mis à tournoyer vers le sol. Et l'étudiant, il a gelé complètement. Complètement. Et là, je parle d'un monsieur quand même assez bien bâti. Là. Fait que ça prend quand même de l'énergie et de la force au niveau de l'instructeur pour arracher les commandes et sortir de la vrille. Ça a marché. Ah non, ça c'est une botte. Oh, oui. C'est sûr que il y a un risque. Je me dis tout métier est risqué. On peut commencer à virer. Et tu vas te mettre juste à 10 degrés pour l'instant. Thank you. Jason was able to come out of the spin well. Now he can move on to practice landing in the bush. 70, parfait ça. Pour les premiers exercices, on va dans la zone d'entraînement. Il n'y a pas de problème, on est à 4-5 000 pieds. On a quand même de l'altitude pour jouer avec. Il peut faire des erreurs, on peut retomber, on peut restabiliser l'avion. Quand on commence à faire les atterrissages, par exemple, on est proche du sol. Mettons que la marge se resserre un peu. Here, there are no paved runways or control towers. La chose la plus importante ici, c'est comment tu manages ta vitesse et ton power. Alors tu regardes ta piste, tu vois que tu ne peux pas aller chercher une pente d'approche normale comme tu le ferais à Mascouche. Parce ouais. que tu as les arbres là, tu n'as pas le choix. Tu as des obstacles. Oui. Ok. The aircraft will need to have a much steeper descent angle than normal. On n'a pas les mêmes installations aéroportuaires comme ici. En termes de les aides à la radionavigation, les approches aux instruments, les belles pistes balisées, les lumières et ainsi de suite. On va se poser sur des pistes qui sont très étroites, très courtes, avec des obstacles, ce que moi je qualifie vraiment du pilotage de brousse intense. Ok, tranquillement, tu réduis ta puissance un peu. 20 degrés de volet. Donc, il faut qu'on gère bien l'approche, ok? Parfait. Mais à cause des arbres, ça va brasser un peu, fait que. J'essaie de montrer ça à mes étudiants, je les amène. Dans des pistes en gravel ou en gazon avec des arbres, des obstacles, pour qu'ils voient un peu ce que c'est un peu, se poser en plein milieu de nulle part. C'est un autre défi. C'est un autre défi à relever. Full flaps. They must land quickly because the runway is so short. Voilà. Je dois couper la puissance après les arbres. Ouais, très graduellement. Mais tu gardes la puissance parce que là, on ne va pas tomber dans les arbres. Ajoute la puissance. Ajoute. Voilà. Je me suis déjà posé dans un champ une fois, je venais d'avoir mon privé. J'ai eu un feu moteur, il y avait une fuite d'essence au niveau du carburateur et puis le feu a pris. Donc là, j'avais pas le choix, j'étais pas à côté d'une piste. Je me suis posé dans un champ. On apprend les procédures, on les apprend. La première fois que ça arrive pour vrai, le niveau d'adrénaline va au plafond, le niveau de stress va au plafond, mais on doit apprendre à gérer ce stress-là. Réduit graduellement, réduit. Et on coupe la puissance. Ok. Et on le force pas. Non, coupe la puissance. Ok. Et voilà. Bah, doucement avec les palonniers. Rappelle-toi, c'est un bon, tu veux pas freiner. Tu veux pas faire capoter l'avion, ok? Ok. Tu vas doucement. J'aime beaucoup enseigner. Je reste toujours réceptif à des nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et au travers de l'enseignement, j'apprends aussi. With over 1,000 hours of flight time logged, Guigui Shamba has seen a lot. But this lesson isn't over yet.
The job of a flight instructor is reserved for the most passionate aviators. Laurent Swalens has dreamed of being a pilot since childhood. Not only has he achieved his goal, but now he's even become the chief instructor. With nearly 3,000 flight hours, he's a seasoned pilot and instructor. Okay, you can turn it off. Je suis comme un petit peu le mouton noir de la famille. C'était plutôt l'immobilier de père en fils. Et puis mon frère est là-dedans aussi. Moi, j'ai voulu en fait laisser libre cours à ma passion. And Laurent is certainly passionate. He's flown and taught for over 10 years. Tu peux couper toutes les lumières. C'est en fait une chance que j'ai eue d'avoir cette passion, je dirais, depuis tout jeune. Parce que ce qui est important, je pense, c'est de se réveiller le matin puis de ne pas aller au travail avec des pieds de plomb. Moi, ça n'arrive jamais, là, c'est sûr que c'est rare. Bien. C'est bon. Today, Laurent will work with his student Jean-Sébastien Brun aboard this Navajo twin-engine aircraft. Together, they make a visual inspection of the aircraft before flight. C'est des belles machines, c'est beau, un avion, C'est le fait d'être en contrôle aussi d'un engin. Ça demande une certaine concentration, Puis on apprend tout le temps. L'aviation, t'arrêtes jamais. C'est un continuel apprentissage et perfectionnement. Donc c'est pas monotone du tout. Ouais, il va bien falloir, avant de le mettre dedans, vérifier parce qu'il y a des inscriptions left. Et de l'autre côté, right. Il peut aller dans les deux moteurs, autrement dit. OK. Left, ouais, c'est bon. Antenne. Laurent has held a commercial pilot's license for many years and is also the owner of the aircraft. Even if he could go into a higher professional position, he would never want to give up teaching aviation. Voilà. C'est un bon moyen de se dépasser soi-même, l'instruction. Il y a toujours matière à se perfectionner. Puis même les acquis, il ne faut jamais les prendre pour acquis. Dans l'aviation, là, c'est ce qu'on apprend. C'est qu'à partir du moment où tu commences à te dire, bon, ben là, je fais pas mal tout, là, puis pas stressé à rien, puis on laisse aller les choses, c'est là que ça peut devenir dangereux. Ça, c'est vraiment ta job. T'assurer, ils sont des fois durs, t'assurer qu'ils soient dans le sens du vent, comme ça. Okay, les vents maintenant. En tant qu'instructeur, le fait de l'enseigner aux autres, c'est ce qui rejoint un petit peu une autre facette de moi. Là, c'est que j'ai toujours aimé communiquer ma passion puis apprendre aux autres. Ça fait en sorte que je reste dedans puis que je garde mes acquis et que j'aime apprendre. Master Han? Oui. For the first time in his life, Jean-Sébastien Brun will take control of a twin-engine aircraft. C'est mes deux premiers vols en tant qu'étudiant à gauche. J'ai fait des vols à droite comme copilote, faire les communications, puis bon, gérer un peu ce qu'on me donnait. Mais là, être en position de contrôle sur l'appareil, puis avec l'instructeur à côté qui donne, donne les pannes, puis tout ce qu'il y a à faire, en fait, là, ça devient un petit peu plus complexe. On y va. Jean-Sébastien already holds a private pilot's license. This is a prerequisite to fly twin-engine aircraft. Gardez 1000 tours. Réduit. D'arriver d'un tableau de bord, d'un Cessna 152 ou 172, à cette bébelle-là, où tout est en double, où le panel est dédoublé pour le pilote, le copilote, puis le... Waouh, ça peut impressionner. Puis au début, là, on cherche ses instruments. Fait que ça, c'est sûr que ça demande une petite période d'adaptation. Jean-Sébastien Brun is an excellent single-engine pilot, but the little Cessna airplanes he normally flies are nothing like this aircraft. It will take his full concentration. C'est un bon challenge. Passer d'un plus petit monomoteur là, à une grosse machine comme ça, il y a beaucoup plus de gestion à faire. Deux moteurs à gérer, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de système, plus de possibilités de panne. Mais c'est un beau challenge. On y va. C'est bon, tout est carré. Tu vois, tu sens la différence? Ouais. Et tu le laisses accélérer à vitesse jusqu'à 100. Quand tu seras à 100, tu tires doucement sur le manche. Vas-y. Tire. Voilà. Non, continue. Garde l'assiette. Tout le monde devant, les yeux devant. OK, la vitesse a accéléré, c'est bien. Et on fait gear up, le vario positif.
Voilà. C'est plus rapide. Hein? C'est beaucoup plus rapide. Donc, il faut anticiper beaucoup plus. Je dirais que le plus dur dans la transition, surtout après un privé, c'est le passage d'un avion qui vole en croisière à 180 km/h, pour le mettre en km/h, puis un avion qui va à 350 km/h. But this is no pleasure flight. At an altitude of 4,000 feet, Laurent will turn off the right engine. Jean-Sébastien must act swiftly to maintain control of the aircraft. Le danger est qu'on ne peut pas prévoir la réaction du candidat. Donc, ce qui est très important pour un bon instructeur, c'est avant de faire le vol, de bien expliquer, de bien préciser, de bien s'assurer qu'il n'y a pas de questions pièges, d'expliquer exactement tout ce qu'on s'en va faire au vol. Es-tu prêt pour ta première panne moteur? On va s'essayer. The maneuver is a very complex one for someone on their first flight. Clouds and a bit of turbulence don't help the situation. La panne de moteur, évidemment, ça arrive toujours à un moment où on ne s'en attend pas. C'est pour ça que nous, on s'entraîne à être prêt à tout instant à faire face à ce genre de situation. Pour ça, il faut que la procédure, on la connaisse sur le bout des doigts. OK. Bon, stabilisé, tout le monde heureux? Ouais. Et voilà, c'est parti. Panne de moteur. Sur pitch power. The young pilot responds well. C'est sûr qu'on a une checklist, là. On va la sortir à un certain moment donné de la procédure. Mais les premières actions, là, c'est vraiment les actions vitales là, qu'on appelle. Il faut réagir tout de suite. Confirm right engine failure. OK. Fire, no fire, no fire. No, no fire. Ça tient, le cap. Bon, checklist d'urgence. Il y a évidemment une procédure à connaître qu'on a déjà étudiée auparavant. Par contre, pour la première fois, avoir le moteur en drapeau, complètement arrêté avec l'hélice, ça fait un peu bizarre, mais une fois qu'on sait déjà qu'est-ce qui va arriver, parce qu'on l'a étudié, on l'a vu au sol, on s'y attend. Maintenant, il s'agit juste de bien gérer tous les systèmes, puis de l'avoir. Là. OK, la suite, là. Là, ton bon moteur, il ne faut pas que tu oublies de le ménager. Il faut que tu ouvres les cold flaps. Tu ouvres le cold flap de gauche, tu fermes le cold flap de droite. C'est bon? OK. Altitude, attention. Fait qu'on voit qu'on est capable de maintenir l'altitude. La température se maintient belle. OK. Fait que tu vois, il n'y a pas de panique à avoir. Là. On contrôle bien l'avion sur un moteur. La manière dont on l'arrête, on fait en sorte que les pales d'hélice se placent pour occasionner le moins de traînées possible. L'élément crucial lors d'une panne moteur, c'est de tout de suite mettre toute la puissance et d'enlever toute la traînée qu'il pourrait y avoir sur l'avion. Tu vois, t'es capable de monter, là. Ouais. Puis t'es encore loin de la blue line. T'as pas besoin de mettre tant de puissance. Voilà, comme ça. On prendrait la checklist maintenant pour sécuriser bien le moteur. La valve gaz est à off, la mixture est cut off, tout est à off ici. Ouais. On apprend aussi aux élèves, dès leur premier vol, à considérer les procédures d'urgence comme étant essentielles. Souvent au début, ah oui, oui, je vais les apprendre, puis ils s'intéressent à apprendre déjà les phases normales de vol, c'est sûr. Mais à un moment donné, là, moi, c'est pas rare que je leur fais des pannes surprises. Je les saisis vraiment là, pour vraiment qu'ils se rendent compte que, ah ouais, c'est vrai. Retard throttle, OK. Better prop. Ouais. On l'a vu. Ah oui, vas-y, on l'avait. OK. Hein, ça fait une grosse différence. Une fois qu'ils ont pris ça, cette conscience-là, ils ne voient plus ça de la même façon. Ils ne voient plus ça comme une corvée. Fait qu'ils vont l'apprendre, puis ils savent me la réciter par cœur après. Sputter engage, à droite, hein? À droite toujours, on y va. C'est ça qui sauve la vie finalement, là. C'est de connaître les procédures. But it won't be as easy for Jean-Sébastien when he takes his second flight later today. At the Mascouche Airport, instructor André Vallée is preparing to fly with Dominique Maltais, a pilot training to obtain his commercial license. Okay. Je m'étais enrôlé dans un cadet de l'air tout jeune, puis l'aviation a vraiment commencé à m'accrocher là. Ah, le détachement de la planète, là, voler au-dessus d'une couche de nuages blanches, là. On est à l'aéroport, il pleut. Tu sais,
C'est le Mossad, tout le monde a le visage plat. Puis moi, j'ai mes lunettes fumées sur la tête, puis là, je m'en vais voler, puis je sais qu'au-dessus de 4 ou 6000 pieds d'altitude, ça va être le gros soleil. Là, j'amène mes lunettes, puis là, je me sens là, on top of the world en anglais. Là, tu sais, je me sens au-dessus de tout, je suis bien. Là, si on n'entend pas de contrôleur, là, c'est la libération totale. Là, c'est... Que ça allait la quantité de carburant, Dominique? Je dirais 3 quarts. OK. Dominique has dreamed of becoming a commercial pilot for a long time. Quand j'étais petit, j'allais en avion avec mes parents dans une grosse avion en voyage, puis je voulais toujours m'en aller dans la cabine de pilotage. Fait que d'après moi, ça date de là. J'ai commencé en 98. Le plus long, c'est de ramasser son privé. C'est 60 heures à peu près, 50-60 heures. Après ça, tu peux amener du monde. Puis là, tu montes tes heures. Je suis rendu à 260 heures de vol. Dominique, ça fait un bon petit bout de temps, je le connais. On a repris le vol de dernièrement, là, on s'en avait arrêté. Lui, il continuait à voler par son propre chef au niveau de faire les tours, tout ça, puis s'amuser, son loisir. Puis là, on a repris sa progression pour pilote professionnel il y a environ un mois de ça. To earn a living as a pilot, it's necessary to hold a professional or commercial pilot's license. André Vallée likes working with the more experienced pilots. Partager ma passion, je trouve ça bien intéressant. Voir la passion que ces gens-là développent un peu comme moi j'avais développé à l'époque. Là. Puis de leur faire passer les barrières. Tu sais, il y en a beaucoup qui viennent nous voir, ils nous disent ah, je ne serai jamais capable de faire un pilote. Ou les premiers examens qu'ils affrontent et que ça va moins bien, tu leur dis ben non, arrête pas, persévère, tu sais, tu vas en venir à bout. Là. Check. Go. Dominic will practice some emergency maneuvers today, including tailspins, André's specialty. Avec Juliette, c'est Golf Tango Golf Engine. On est au roulage de piste 1-5 derrière les Mozilou Papa qu'on a en vue. André has over 4,000 flight hours and has taught over 15 years. He knows what it takes to be a good pilot. Psychologiquement, il faut être balancé. Balancé dans le sens que du concret au réel, c'est un beau rêve, l'aviation, mais ça demeure encore une machine avec un moteur. Puis d'être conscient que, regarde, dans ma tête, il faut que ça soit balancé. Il faut que je vois qu'est-ce qui s'en vient, il faut que je planifie, il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi. Donc, psychologiquement, il faut être réveillé. Là. Passe-toi à droite. André, il est bien sévère. Mais c'est ça qu'il faut. Au stade commercial, il faut que ça soit assez sévère. Puis je l'ai choisi parce que ça fait relativement longtemps que je le connais. Puis je voulais que ça soit quand même sévère puis bien ordonné. André remains highly concentrated on the flight, keeping a very calm and serene attitude, although he's always ready to react instantly. Super, tu vas bien ça. Pas un mois à dire. Fais ça, pas en bas de 60. Bien important. Ouais. He constantly monitors the speed and altitude of the aircraft. Lui, il faut qu'il me fasse confiance, les yeux fermés. Puis moi, il faut que j'aie confiance aussi à ses capacités. Fait que je le teste, je le challenge, je lui donne des objectifs. Puis là, on travaille comme ça de pair un l'autre, puis on se relance, si tu veux. Là. OK, un go, on y va. La vrille, c'est une conséquence du décrochage. Donc, le vol à basse vitesse de l'aéronef fait qu'il n'y a plus assez de portance, de d'écoulement d'air sur l'aile pour que l'avion supporte le poids de l'avion. Là, l'avion arrive dans une plage de vitesse qu'on appelle le vol lent. Le vol lent, le vol se détériore beaucoup, les commandes sont molles, tout ça. Au-delà de ça, quand l'aéronef arrive à la fin du vol lent, ce qui va arriver, c'est que l'avion arrête de voler, elle décroche. When an airplane stalls, everything happens very quickly, and the margin of error is very slim. Quand on tombe en vrai, c'est tu tombes dans le vide, puis ça tourne, puis tu essaies de rester concentré sur tes manœuvres aussi en même temps, là. C'est au moment que tu reprends la vrille
quand tu reprends ton altitude, c'est sûr que là, la peau, elle descend. C'est comme d'un manège, là, finalement. OK, je l'ai. Je l'ai. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ça arrive à l'occasion que les élèves gèlent sur une première manœuvre ou quand on se fait surprendre par au moment d'un décrochage, un peu de turbulence. Ça saisit l'élève, réagit de mauvaise façon. Fait qu'il faut tout le temps être sur nos gardes. In the end, it's André who brings the plane out of the spin. Dominic couldn't succeed by himself. OK, Dominic, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que si tu le rentres trop cabré comme ça, là, en damassant, là, on monte. Ça, c'est pas bon. C'est quand on entend le buzzer, là, on tire promptement. C'est ça l'affaire. T'as-tu vu? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai pris puis je l'ai décroché d'un coup tard. OK? OK. Fait que là, notre décrochage a été trop graduel. Là. Ça faisait un petit bout, j'avais pas fait ça. Peut-être, je dirais, peut-être 3 ans. Au moment où la vrille s'est faite amorcer, c'est sûr que mon instructeur me reprend un peu. Là, ça faisait longtemps. Mais c'était super, comme... super, ouais. On l'a fait ça à gauche ou on l'a fait à droite? À gauche, j'aimerais ça. OK, on l'a fait à gauche. OK? Although these exercises are done under relatively controlled conditions, they're still very dangerous maneuvers that no one would ever want to experience on a regular flight. Le risque, en quelque part, tu peux le gérer. Mais si t'es un esservelé, ça marche pas, là. L'attitude est une très grande qualité de pilote. Son calme, son ouverture d'esprit, c'est très important, ça. Quand je vois des gens qui sont trop nerveux ou qui... Soit qu'on apprend à leur... on leur apprend à gérer ça, ou on leur dit simplement, écoute, si t'as pas envie de changer, regarde, faut que tu choisisses un autre loisir ou faut vraiment pas que tu sois pressé. OK, on vérifie, on est 4900 pieds, on commence le ralentissement puis la mort de la vraie bientôt. On y va. OK, Roger. On avait fait une grosse publicité pour du recrutement dans les différents journaux, là. Puis ça avait bien répondu. Fait que 5 élèves qui s'inscrivent et puis qui commencent le cours en même temps. Et puis là, tu sais, au bout de 7-8 leçons de pilotage, d'une heure et demie environ, on commence les manœuvres de vrille, de décrochage, à démonstration. Tu sais, on est juste asymétrique un petit peu. Puis les 5 élèves inscrits en même temps arrivent à cet exercice-là en même temps. Donc, j'ai 5 élèves décidulés dans cette journée-là. Fait que du matin au soir, j'ai fait des vrilles et des décrochages. Fait que si on fait en moyenne 5 vrilles chaque, fait qu'à la fin de la journée, ça fait 25 vrilles, ça, là. Là, c'est... là à la fin de la journée, j'avais comme un petit peu mon quota. Fait que le dernier, là, par malchance, j'ai eu l'élève, le dernier, c'était celui qui a aimé ça le plus. Puis là, il me demandait, on en fait-tu un autre? Ah, là, non, moi, j'ai terminé. On rentre à la maison. C'était ça. C'est sûr que j'ai 34 ans. J'étais avancé un petit peu dans l'âge, mais on rêve toujours de faire ça. Depuis que je suis tout petit, que je veux faire comme carrière de pilote. En attendant, bien, là, j'étais bombardier. C'est sûr que c'est une bonne job, mais c'est sûr que si j'aurais l'occasion d'aller piloter dans une compagnie aérienne, c'est sûr que j'y irais, là. In the meantime, Dominic will continue his apprenticeship under the guidance of his flight instructor. The relationship between flight students and their instructors all leads up to one pivotal point, the first solo flight. After 15 hours of flight accompanied by the instructor, the student is finally free to make a lap around the airport by himself. David Auer, who studied under Gigi's tutelage, is at this point. Okay, radio on. Trafic Moscou, je peux Tango India Romeo pour contrôle radio. 5-5 radio. Merci. For the instructor, as for the student, this is the most stressful moment of training. Je donne cours à des personnes pour piloter un avion. Demain, ils auront leur licence. Ils vont amener leur famille en vol. C'est un peu dans ce contexte-là que je me mets toujours. Il décolle de Montréal, il fait super beau. Et quand il revient, mettons, il y a du vent au travers, mais vraiment un fort vent. Même s'il aurait vu la technique de vent de travers, même s'il aurait fait un peu de vent de travers, si les vents qu'il rencontre ce jour-là sont bien au-delà de tout ce qu'il a expérimenté avec moi,
C'est sûr qu'il pourra peut-être poser l'avion, mais ça va lui donner une peur. Il aura peur. Alors, ce que je fais très souvent, c'est je vais voler avec mes étudiants pour qu'ils voient ces conditions-là, pour qu'ils se battent avec l'avion dans ces conditions-là. Comme ça, quand ils vont seuls, c'est du déjà vu. Ils savent que c'est possible, c'est faisable parce qu'ils l'ont déjà fait. Trafic masqué de Tango India Romeo, décollage immédiat sur la 29. They will fly together for about 30 minutes, following the same circuit several times. Then David will fly solo. L'approche est rebelle, rendu en dessous de 500 pieds. Donc on va essayer d'abrasser un peu, donc je gère ton avion à partir de là un peu plus précisément. Ce que j'aime de l'aviation, c'est la liberté. La liberté de pouvoir voir le monde d'un autre point de vue. Et puis le défi. Ça demande quand même une certaine rigueur, ça demande de l'exigence, ça demande de la précision dans ce qu'on fait. Et c'est un défi que j'aime toujours élever. After the first lap around the airport, David returns to land the aircraft. Alors, on va poser l'avion. Trafic masqué de Tango India Romeo en base pour la 29. Alors, on va chercher la vitesse d'approche. Voilà, c'est juste tout ce que tu as comme outil pour ralentir ton avion. Gigi monitors his students' every move. Alors, rappelle ton bas de 500 pieds, ça va se mettre à turbulent. Tu veux peut-être être légèrement plus haut que ça. Quand je fais ce qu'on appelle le circuit avec mes étudiants, on reste autour de l'aéroport pour pratiquer l'atterrissage et décollage. Très souvent, l'étudiant arrive, il est bien à l'aise avec le décollage, les communications, tout est bien, la vitesse est correcte. Il arrive en étape finale pour se poser et l'avion arrive et l'avion frappe la piste. C'est ce qui arrive très souvent. On va garder cette main là jusque tranquillement. Alors. Regarde la branche arrière pour voir le vent. If the student seems too nervous, Gigi will call a stop to the flight and they'll try another time. Fais ton arrondi, fais ton arrondi. Le vent, il vient de quel bord? Droite. Voilà, tu baisses un peu l'aile à droite et tu fais ton arrondi. Baisse l'aile à droite. Fais ton arrondi, baisse l'aile à droite. Alors à un moment donné, tu dis, mais je veux pas que l'avion frappe la piste, je veux que tu poses le plus doucement que tu peux. Fait qu'il arrive. Il va tirer un peu sur le manche, l'avion va attendre un peu et puis l'avion va pareil frapper la piste. Alors là, c'est ça les défis de l'instructeur. Il faut trouver toutes sortes de façons pour essayer de le faire comprendre cette technique-là. Les vents, là t'oublies les vents, t'as un peu oublié les vents. Voilà. Très important de ne pas oublier les vents en approche parce que là t'arrives, mais tu corriges pas pour le vent, tu vas te retrouver à l'autre côté de la piste. C'est ce qu'on veut pas. Évidemment, la patience est de rigueur, parce que certains candidats qui vont vous dire que oui, ils comprennent, ils ne comprennent pas. Donc, nous, on se reprend d'une autre façon pour lui faire passer le message. Et on s'aperçoit qu'il ne comprend pas encore. Ah, là, il faut faire d'autres types d'enseignement. On va y aller au tableau. On va faire des dessins. On sait que 75% de l'apprentissage se fait par la vue et 25% par l'ouïe. Donc, on va aller travailler sur le côté visuel. Il faut être patient. Très doucement, très doucement. Et quand tu as commencé ton arrondi, voilà. Et toujours que tu n'es pas venu pour rester au milieu, et ton arrondi, la puissance revient à zéro. Voilà. Et tu ne le laisses pas frapper. Voilà, joue avec. OK. Alors, ce que je leur dis souvent, c'est que l'avion n'a pas le droit de se poser tout seul. C'est un privilège que toi, le pilote, tu accordes à l'avion de se poser. Et très souvent, ils disent, non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais bon. Tu arrives pour te poser et tu as du vent qui amène ton avion à gauche de la piste. Est-ce que tu laisses ton avion se poser dans le gazon à côté? Ben non. Que tu dis non, tu ne te poses pas encore, je te ramène au centre de la piste. Ouais, je veux que tu te poses là, fait que là, tu le tires et tu l'amènes tout doucement, tu le poses. L'avion ne peut pas se poser tout seul. Et après deux, trois fois, mes étudiants, ils comprennent le concept et puis tranquillement, ça aboutit à des beaux atterrissages. Ouais, je n'ai pas encore. After the fourth lap of the airport, David seems to be in consistent control of the aircraft. On va réduire un tout petit peu.
Et on le tient là, on baisse l'aile, on baisse l'aile. On fait pas encore d'arrondi. On coupe la puissance tranquillement. Et voilà, regarde-moi ça. Ah, parfait, parfait, parfait. La correction, la correction, la correction, voilà. Voilà. Très très bien, garde le manche en arrière quand tu freines doucement. Super. Ça c'est parfait. Mon travail, c'est pas de piloter l'avion. C'est à lui de piloter l'avion. Moi, j'ai eu mon temps à piloter l'avion. Bon, il doit piloter, il doit commettre ses erreurs et il doit s'en apercevoir avec mon aide. J'interviens juste s'il s'en aperçoit pas et qu'on est dans une situation vraiment critique. The Cessna returns to base. Gigi was supposed to get out and let his student take off on his first solo flight, but Mother Nature has other plans. Le vent a changé en fait entre le décollage et puis les différents circuits qu'on a fait. Et surtout, ça arrive plus par rafale, ce qui rend l'atterrissage beaucoup plus difficile. Donc pour le solo, on va remettre ça à demain. Ça devrait être plus calme. La technique est bonne. La technique est bonne, il y a rien à faire. C'est juste ce genre de conditions qui demandent un peu plus de batailles avec l'avion. On se bat pour poser l'avion dans ces conditions-là. Mais ça a été un bon exercice. Bon apprentissage et puis le jour qu'il se retrouve dans ces conditions-là, ben, je n'aurai pas à m'inquiéter. C'est bon, donc on va aller débuffer. Ouais, c'est bon. On va ouvrir quand même. Meanwhile, over the airport in Saint-Hubert, Laurence Wellens has taken off with his student Jean-Sébastien Brun in a Piper Navajo twin-engine aircraft. Je vole plus par plaisir que pour une carrière. Par contre, c'est une passion d'enfance, donc je réalise un peu un rêve. Et ben, n'importe quel pilote va vous le dire, hein, c'est l'idée de monter sur des plus grosses machines, de plus en plus grosses, pour aller chercher un certain défi. Puis c'est toujours plus le fun d'aller plus vite. Là. Plus vite puis plus haut. OK, fait que maintenant, on va se préparer pour le pas de moteur. Bon, oui. Fait que, au niveau des paramètres, tout est beau. This is only Jean-Sébastien's second flight in this type of plane, but the young man is not intimidated by the complexity of the aircraft. C'est un très bon élève. Il est vite. Là. Il est jeune, c'est sûr. Ça aide beaucoup. C'est un des rares, parce que ça arrive quand même pas si fréquemment que ça, qui sortent vraiment dans le minimum d'heures qui partent en Sport Canada. Lui, il l'a fait. Majoritairement du temps, je pense que c'est là où c'est le plus risqué qu'il y ait des accidents qui arrivent, quand on essaie de les recréer. Fin de moteur. Fin de moteur. Pitch. Full power. Cap. Garde ton cap. Garde ton cap. Garde ton cap. Garde ton cap. J'ai eu une panne de moteur. J'étais instructeur de vol à ce moment-là. J'étais drillé parce que j'ai l'habitude de driller mes étudiants sur les pannes moteurs. Fait que c'était devenu tellement un réflexe que quand le moteur a arrêté, sur le coup, c'est sûr qu'on a un petit peu des papillons dans le ventre. Là, c'est sûr que prend un bon respire, mais aussitôt, la routine embarque. On embarque dans les procédures, là, puis on oublie tout le reste, parce qu'on rentre dans quelque chose de connu. OK, plus vite, là. Oui, ouais, on retract. Gear up, flaps up, c'est beau, OK. Gear up, flaps up. Et c'est quoi le moteur mort? Le moteur droit. OK. Power to retract. C'est bon, d'accord. Fire, no fire? No fire. No fire. Bon, on garde le cap. L'altitude est bonne. Pour le pied. Le danger, là, c'est de tomber dans l'inconnu, là. Tomber dans quelque chose où on freeze, puis on panique, on sait plus quoi faire, puis là, on rentre dans ce qu'on appelle le tunnel vision, là, où on panique, et puis on oublie l'essentiel. Vas-y. Whether it's an exercise or not, seeing an aircraft's engine stop at 3,000 feet is always unsettling. Next. Better prop. Five gas up. The first few seconds are crucial and will determine the course of events. Garde ton altitude. Faut que tu sois capable de manager ton avion avec ta navigation en même temps que gérer ta panne. Alors cap, altitude, vitesse. But the complexity of the operations appears to have the upper hand over the young pilot. J'essaie de refaire les procédures parce que j'avais oublié quelque chose. Puis bon, j'essaie de me rappeler c'était quoi. Et quand on fait ça, on n'est pas concentré sur les autres items sur lesquels on devrait être concentré. Puis c'est vraiment pour ça qu'il faut apprendre comme un aspect procédural là, pour bien réussir à s'en sortir.
Engage starter until wind balance. Attends, fuel pump d'abord. While Jean-Sébastien is going through his list of maneuvers, the aircraft is pitching to the left. Attention. Oh, c'est fait, là. Ah, tu vois, hein? Regarde, faut rester concentré sur le pilotage avant toute chose. OK, vas-y. Oui. Magneto on. Starter until wind balance. Garde les ailes droites. Concentre-toi sur le pilotage, là. Le pilotage, c'est le plus important. T'as encore un moteur. Tu voles autant que tu veux, là. T'es relax. OK. Là. C'est quand même une grosse bête, là. Pour un bimoteur, c'est élevé, puis il est là. Il a travaillé une shot, là. Le deuxième vol, il a eu un peu plus difficile, là, mais c'est normal, ça. Puis il va dormir là-dessus, il va cogiter toute la nuit, il va décanter ça, là, puis prochain vol, là, il va en avoir gagné une coche. Ça va se sentir, c'est sûr. Il apprend vite. Toi maintenant sur l'atterrissage. Premier vol, je pense pas pire. Deuxième vol, pas mal fatigué du premier déjà. Fait qu'un petit peu moins bon, mais bon, place à amélioration évidemment tout le temps. Puis on vole pour ça, toujours pour s'améliorer. Puis grâce aux instructeurs, justement, on est capable de corriger nos problèmes puis d'être de meilleurs pilotes à long terme. Là, alors, mets-toi à l'horizontale, sinon tu vas toucher avec la roue de données. Ralentis, coupe. Coupe, et hop, tu flippes. Coupe. Bon, c'est ça. Ça va mieux. These exercises allow the young pilot to learn how to react should he have the misfortune to find himself in the same situation someday. The next day at Mascouche Airport, David Auer is ready to try again for his first solo flight. Quand ils viennent, ils sont tout nerveux la première fois. Après 5-6 heures de vol, ils deviennent de plus en plus confiants. Quand on s'approche du solo, ben là, ils sont tout nerveux parce qu'ils vont voler tout seuls. Et c'est un peu la même chose pour nous, instructeurs. Quand l'étudiant commence, ben, on est là plus pour les rassurer que c'est sécuritaire. Tout va bien, ça va bien se passer. Au fur et à mesure qu'ils acquièrent l'expérience, ben, ça commence à nous exciter un peu parce que là, tu sais, ils savent ce qu'ils font. Ils vont dans la bonne direction. Quand on arrive vers le solo, ben nous, on est très contents parce que finalement, il est parti de rien savoir sur un avion et aujourd'hui, il vole tout seul. Mais par contre, on a toujours ces petits côtés nerveux. Several accidents have already occurred during first solo flights. Trafic Mascouche de Tango Golf India, aligné sur A29 pour décollage immédiat. And Guigui is well aware. For the first time in his life, David Auer is the sole occupant of an aircraft in flight. C'est là qu'il se rencontre, il est seul dans l'avion. C'est une très belle situation. Ça prouve d'où il est venu, où est-ce qu'il est rendu. Il a appris toutes les procédures et là il est capable de voler tout seul. C'est une phase très importante dans sa formation. C'est une étape très importante qu'il vient de franchir. Et il doit être nerveux et très content en ce moment. Everything goes perfectly. David follows instructions to the letter, staying on the flight plan and in total control of his emotions. Trafic Mascouche de Tango Golf India en finale pour la 2-9. Oh, c'est beau ça. Alors, pose-moi ça, David. Oh, de toute beauté. Parfait, ça. De toute beauté. Quand l'étudiant y va tout seul, il revient. Moi, ça me donne un sens d'assurance un peu. Mais au moins, j'ai fait une bonne job. C'est le gros sourire, hein? Oui. Même pas de deuxième tour. Ouais. Félicitations. Le premier lâcher solo d'un étudiant. Ça, c'est peut-être la chose que j'aime le plus dans ce travail, dans ce métier-là. Bon, on va prendre une photo. And as is the custom, the new pilot is welcomed into the great brotherhood of airmen. Oh,
là-dessus. Félicitations. Oh, ça vient, c'est l'autre. Regardez ta vidéo, il y a l'ancien. Non, c'est l'ancien, il y a des averses de pluie.